amis, c'est Soruno 53, bienvenue sur Gran Turismo 7. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la GT 3 de 911, une Porsche. Je les livre avec une petite livrée Dragon Ball Z pour ceux qui sont fans, hein. J'ai vu que j'ai eu beaucoup de commentaires sur Facebook. Par contre, j'ai eu des commentaires qu'il y en a qui savent pas comment mettre des livrées Dragon Ball Z ou autre. Alors, je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui sur cette vidéo et on fera que des petites courses avec. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, avant, vous allez dans personnalisation de voiture, hein. Alors, vous allez dans GT Auto. Ça, vous connaissez tous, je pense. Après, vous allez dans éditer de livret. Alors, ouvrir un concept parce que moi j'ai déjà créé, mais c'est vrai que la dernière fois j'ai eu un petit bug de chargement. Elle est ici, Dragon Ball. Voilà, regardez ma super voiture, magnifique. Alors, bien sûr, il fallait dans modifier un concept parce que vu que je vous montre, alors voilà l'aperçu de ma GT, ma Porsche. Alors, vous allez dans stickers ici. Voilà, vous allez dans carrosserie, hein. Tout simplement. Bah, on y est déjà. Alors, là ici, vous voyez, à ma droite, vous avez ajouté une couche. Vous ajoutez une couche, vous appuyez sur le petit carré bleu. Et là, vous avez plusieurs motifs. Alors, je pense qu'il y a des tutos là-dessus, comment créer une livrée. Vous avez des formes, hein. Voilà. Et nous, on veut Dragon Ball Z. Allez, bah, vous allez dans recherche de contenu. Soit vous tapez Dragon Ball ici. Voilà. Alors, je sais pas si c'est attaché ou pas. Je crois pas. Et R2, bien sûr. Et là, vous faites rechercher de contenu. Voilà. Vous avez tous les personnages de Dragon Ball Z, hein, tous ceux qu'ils ont mis. Et c'est comme ça que j'ai fait ma voiture. J'ai mis couche par couche. Alors après, vous choisissez un truc qui vous plaît. Alors moi je sais pas trop, hein, qu'est-ce que je peux rajouter sur cette voiture. Oh, il y a une demoiselle là. Il y a eu des nouveaux. Ah, bien sûr, il y a eu des nouveaux parce que la dernière fois c'était s'arrêter ici. Et là tout ça c'est nouveau, hein. Ouais. Alors moi je sais pas, on peut mettre. Il y a tellement là-dedans. Et ben on va mettre lui. Ah, on va mettre le grand-père, tiens. Allez, on va prendre Kem Sanctioning. Vous appuyez dessus. Alors vous voyez, hein, là il est ici. Alors par contre, pour le placer. Alors voilà, vous le placez comme ça. On peut le mettre ici, allez hop. Pourquoi pas. Vous pouvez l'agrandir. Oh, ça fait con, hein. On va le mettre là, tiens. Allez. Pourquoi pas. On va le mettre ici. Hop. Je mets ici. Ah, ça gâche un peu la voiture. On va le déplacer ailleurs. Le papy, là. Allez, on va le mettre là. Voilà, et vous après, vous pouvez appliquer de l'autre côté. Tac. Il se trouve ici. Alors ici, il est mal placé, hein. Allez, on peut le mettre ici. Moi, je m'en fous. Allez, pour vous montrer. Voilà. Et vous faites terminer l'édition. Après, si vous pouvez mettre sur la carrosserie, vous mettez sur la carrosserie. Voilà, comme ça, j'ai appliqué les couches. Rétroviseur, aileron, et puis voilà, etc. Voilà, les amis, comment on peut faire une livrée. Grâce à. Alors, s'il y en a qui me disent, ouais, comment t'as fait pour trouver? Bah, moi, j'ai juste tapé Dragon Ball. Et si vous voulez, vous pouvez aussi. Ici, ajouter. Ah, ici, vous pouvez dans rechercher contenu. Vous tapez les tags populaires ici, là. Et c'est ici que j'ai trouvé. Vous avez tout pas mal de trucs. Et c'est ici, je crois, que j'ai trouvé Dragon Ball.
je sais plus où c'est, mais il y a tellement plein. Bon, bref, vous tapez là, mettons, je sais pas, moi, Mazda, et hop, vous faites rechercher. Et vous avez tous les stickers et les logos de Mazda. Tout simplement. Voilà, les amis, pour ces petites astuces, j'espère que ça vous a plu. On va maintenant passer au circuit. Allez. Allez, c'est parti. Circuit Italie. On va regarder un petit peu en vue extérieure. Je la trouve magnifique, hein. Niveau freinage, ça va. Elle freine. Oh, le bruit, par contre, il cartonne. Bien sûr, hein, je l'ai modifié parce qu'il fallait faire, je sais plus combien, 660 pp. Oh, le dérapage. Allez, on passe à vue intérieure. Bon, bien sûr, hein, je vais pas vous mettre les 5 tours. Je vais mettre les meilleurs moments. La chance. On va déraper facilement. Hein. Allez, c'est parti, je vous montre ralenti.
ta chance. Ça va très vite. Je pense qu'elle est pas assez rapide encore. Attends, je l'ai bien amélioré.
Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon bah les amis, je suis assez cinquième, hein. Troisième un peu compliqué. Je vais voir à quel Porsche peut réussir à battre des autres. Hein. Il y a quand même deux circuits, j'ai pas réussi. Bon, bah je vous dis à la prochaine et abonnez-vous si ça vous plaît. A plus.